Aujourd'hui, dans les leçons de basket de la JL, nous allons étudier la règle des 3 secondes. Alors regardez bien. Pour cela, il nous faut un panier, un joueur, et oui c'est toi Jérôme, une raquette. Non Jérôme, pas cette raquette, on va être sérieux. C'est ça une raquette au basket. Un arbitre et un ballon. La règle des 3 secondes, que l'on appelle aussi camper dans la raquette, mais qu'est-ce que tu... J'essaye d'expliquer sérieusement la règle des 3 secondes. Alors tu me ranges cette tente et rapidement. Donc, que tu aies le ballon ou que tu ne l'aies pas, tu ne peux pas rester plus de 3 secondes dans la raquette. Mais voilà, Jérôme, là t'as dépassé. Dans les faits, les arbitres ne la sifflent pas souvent. On dit donc qu'on campe souvent dans la raquette. Non les gars, non mais sérieux, j'essaye d'expliquer au plus grand nombre la règle des 3 secondes. Et là, vous jouez au badminton. Non, franchement, là, je dis non. Voilà, je dis non.